J'ai toujours aimé le jazz. Que la vie soit un feu d'artifice et la mort un feu de paille. Claude Nougaro, hein, j'ai aimé cet homme. Et je l'aime toujours, évidemment. Alors, il y a Camus qui dit... Camus Albert, hein. Je parle pas d'une autre personne. Albert Camus dit, enfin, plus ou moins, « Je ne suis pas au service de ceux qui écrivent l'histoire, mais au service de ceux qui la subissent. » Je sais pas, j'ai trouvé cette phrase sympathique, je voulais commencer comme ça. Parce que là, j'ai une semaine de dingue. Excusez-moi, j'ai pas fait de vidéo avant, mais c'était un truc de fou. 2 gardes à vue, 6 perquisitions, contrôle fiscal de l'ensemble. La complète œuf, jambon, fromage, gruyère. Lardon, pour ceux qui sont pas musulmans. Et évidemment, on laisse beaucoup du couscous. Alors bon, derrière tout ça, un homme. Manu, Schufflerman. Mec, vous savez, le mec du gouvernement, là. Ah, El Blanco, on l'appelle dans le milieu. Oh putain, parce que François Hollande ne peut pas s'occuper de mon dossier en personne parce qu'il est assez occupé là, avec ses affaires d'abricot, l'autre. On s'est aperçu que c'était plus ou moins un genre de chat de gouttière, moitié mixé avec un lapin. Hein. Pareil qu'il arrête pas le mec. 半小时过后, Hollande的贴身护卫, 骑着摩托车载着情郎来会情妇. 在一阵巴黎铁塔与凯旋门的翻云覆雨之后, là il a acheté sa vieille chatte, il a pris une pomponnette, quoi, une petite pomponnette, bon le truc est un petit peu facile, mais enfin bref, moi je suis pas là pour parler de ça, hein. Il y a une presse spécialisée, quoi. Bref, Manu est à la manœuvre pour me régler mon compte. Il a tout fait pour m'interdire de monter sur scène, résultat, je suis sur scène partout en France. Tous les zéniths, archi bondés, putain, là c'est devenu... Et puis alors c'est complet partout, hein. On pourrait jouer 2 fois. J'ai jamais connu ça, moi. C'est jouer dans des autocars, il n'y a pas longtemps. Alors pour tous ceux de Marseille qui ne peuvent pas venir, on va jouer à Avignon, donc venez à Avignon. Ça sera le 21 février, il y a de la place encore, mais dépêchez-vous parce que ça va être complet. Pareil, Toulouse, dépêchez-vous, on va arriver à être complet aussi assez rapidement. Je suis devenu en quelques mois l'artiste le plus populaire de France. On remplit tous les zéniths. Merci Manu. Lui, il fait moins 7%, moi je fais plus 200%. Je deviens donc en quelques semaines l'artiste le plus populaire, mais aussi donc celui qui gagne le plus de fric. Et ça, ça les énerve. Je crois pas que Madune. C'était pas le projet initial. Hein. C'est pour ça qu'il m'a envoyé son équipe de bras cassés. La police judiciaire. Là, ils sont venus chez moi, ils ont sonné, il était 8h. Bon, les mecs sont sympas, ils sont gênés, ils viennent chez moi, ils disent bon, on est désolé, c'est Manu qui nous envoie, quoi, plus ou moins. Quoi. Donc ils sont venus, toc toc, là c'était l'autre matin, il y a 2 jours, ils ont dit on peut prendre le petit déjeuner avec les enfants. Tu me dis de toute façon, vous n'avez pas le choix. Puis on va prendre aussi le repas et on va prendre le dîner du soir. Donc, les enfants, papa, c'est qui? Bah, je sais pas. Apparemment, ils sont envoyés par Manu. Alors, ils ont foutu le nez un peu partout. Puis bon, moi, je cache rien. Donc, évidemment, ils ont saisi les caisses de la société qui étaient dans le coffre. Enfin, il y a 2 coffres dans mon bureau. Ils sont venus. Toc, toc, c'est quoi? Ben, c'est l'argent de la société. La trésorerie, quoi. Et ils ont dit, on s'en va avec ça. J'ai dit, ouais, mais c'est de l'argent honnêtement gagné. On s'en fout. J'ai dit, comment ça? Et touche pour Grisby, ça. C'est une réplique que j'aime bien dans le film. Moi, je le planque pas à l'étranger. Tu veux quoi? Que je te fasse un Western Union pour que tu le mettes sur le compte de Cahuzac? Ton copain? Et je demande au juge d'instruction de me mettre en examen le plus vite possible. Ils veulent pas me mettre en examen, ce qui fait que mes avocats n'ont pas accès au dossier. Monsieur le juge, mettez-moi en examen et je dois récupérer le pognon de l'entreprise. Attention, c'est pas à moi. En plus, il y a des charges, on doit tout payer là-dessus. Attention, les mecs. Moi, j'ai rien à cacher. Vous pouvez y aller. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Comme disait Jésus, laisse ton argent par terre, suis-moi. Allez, Jésus, on y va. Je te suis. Là, c'est un peu tout et n'importe quoi. Moi, je suis interdit bancaire. Donc, de toute façon, je résume en 16 points. De ce qui m'est arrivé en quelques mois. 16 points pour vous montrer la pression extraordinaire que nous avons subie. Hackage. Le hacker. Il y a un hacker, mais le mec, ils y touchent pas. On sait pas pourquoi. Et on a tous son adresse, ses papiers. On sait où il est maintenant. Et non, pour l'instant, la police, non. Bon. Manu du nom, laissez-le faire. L'agression de Jackie. Diffamation donc de Jakubowicz, Kuckermann et Valls. Là, on est en procès avec eux. Bon, il y a eu la circulaire, évidemment, du ministère. Donc ça a été aussi une étape. 5e point, l'interdiction préfectorale. Là, partout, ils ont essayé 3. On a annulé 3 dates au départ. Hein. Ah, bon, on va certainement les refaire, d'ailleurs, au mois de juin. Donc ça, regardez, suivez un petit peu ce qui se passe sur les sites. Il y a eu la décision du Conseil d'État. Ça, c'est 3 décisions qui me font rentrer dans l'histoire. Hein, par le conduit des toilettes. Mais là, j'y suis. Hein. Là, je suis rentré dans l'histoire.
Menace de mort, j'en parlerai pas. Tesson, hein, évidemment, qui lui aussi menace de mort, je n'en parlerai pas, finalement, j'ai pas le temps, il y a trop de trucs. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats, me réjouirait profondément. C'est pour moi donc une bête un immonde. Donc on le supprime, c'est tout. Je signe et je persiste. Exécuté, Dieu donné, Tesson. Deux gardes à vue, hein, une semaine, 6 perquisitions, contrôle fiscal, violation de mon domicile, l'histoire avec l'huissier là, hein, qui est rentré chez moi, INPI, dépôt des marques. Alors on m'a dit, ouais, Dieu l'eau, dépose les marques. Mais non, je ne dépose pas les marques, INPI, ils veulent pas qu'on dépose la colonelle. On a reçu ça la semaine dernière, ils veulent pas. Merde, pourquoi? Parce que, rentre chez toi, d'accord. Appel à l'interdiction donc de mes vidéos, hein, Clarsfeld. Alors lui, il veut pas que vous achetiez la vidéo le mur. Elle va apparaître là aussi. C'est le spectacle interdit. Alors évidemment, tout le monde veut le voir. Ce qui est logique. Donc j'ai la possibilité de vous produire, de vous fournir ce produit. Vous allez le voir. Hein, vous commandez ça. Vous commandez le DVD rapidement à cette adresse-là. D'accord ? Puis on l'envoie après. Commandez. Allez, dépêchez-vous, ça sera envoyé peut-être d'un pays, on va voir. On va voir comment on va s'organiser. Alors, retrait de mes vidéos de YouTube. Tout ça, c'est en même temps. Vol de mes spectacles. France Télévisions, BFM TV, Le Point. Ils m'ont volé mes spectacles, mec. Hein. Là, il y a des procédures qui sont en cours. Et puis, je ne parle pas des injures, évidemment, de tout ce qui s'est passé. Héros, premier ministre qui dit on va faire de moi, comment on l'a fait avec Al Capone. Ah bon? J'étais un humoriste, Al Capone. C'est la prohibition. Merde, mais du rire cette fois-ci. Al Capone, les gars, fermez-la, putain. À Suzoa, c'est mon nouveau spectacle, La face de l'éléphant. C'est de Leundo. Et là, je remercie évidemment tous les Mvoratan Nambala, tous les Béti, tous les Camerounais, de ce soutien exceptionnel que vous m'avez donné. Au Cameroun, berceau de mes ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau, fier doit être, incendant l'ardeur de foi. Allez, j'arrive, Lucas. J'arrive là. Je vais venir me reposer un peu quelques jours en famille. Alors, donc, la face de l'éléphant. L'éléphant a deux défenses, hein. Une défense fiscale, une défense pénale. Et je dois dire que j'ai une équipe d'avocats, Verdier, Mirabeau, De Stefano. Croyez-moi qu'ils vont s'amuser dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, la semaine prochaine, ils ont des déclarations extraordinaires. J'ai une équipe vraiment très très efficace. Mais j'ai décidé de terminer cette vidéo sur une note, on va dire. Une note douce et poétique. Ben, tous ces gens qui nous regardent, on va vous offrir une petite chanson, hein, que j'ai écrite, qu'on a mis en musique, bon, vite fait, vous excusez les fautes. Alors ma femme ne veut pas apparaître, ce qui est normal, parce que déjà elle en est emmerdée, donc elle va apparaître un petit peu masquée, un peu de côté. Hein. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Donc on va faire une petite mise en scène. Voilà, je vous demande de... Tiens, faire noir, là, à ce moment-là, faire noir. Souffle sur la planète, vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir, celui qui fait danser les branches des grands arbres, sorti de sa nuit pour éveiller nos âmes. Il est né dans le cœur des forêts africaines, dans son glissant sur les rives Congo, le vent du changement, révolution naturelle, inspiré par les astres ou inspiré par Dieu. Là je le sens, il efface mes peurs et il durcit mon bras, c'est le vent du combat pour l'émancipation des populations nègres et des jaunes et des blancs pour l'humanité. Un vent nouveau souffle sur la surface, le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Il nous ouvre les yeux et nous remplit le cœur de lumière et de foi. C'est le vent de la joie, et les torses se gonflent, et les poings se referment. Monsieur le président a perdu son allant. Face aux fusils qui hurlent, le peuple se rassemble. C'est lui qui avance, et le roi qui recule. Partout les balles sifflent, et la mort qui me frôle. Mais je ne tremble pas, je suis là, immobile. C'est fini, je vais vivre, ne reculerai pas. Vous pouvez me tuer et tuer ma famille. Vous n'arriverez pas à stopper ce vent-là. Il nous a réveillés.
enfants. Et il éteint nos peurs, nous remplit de courage. C'est la fin des mensonges, le début de la marche. Nous ne reviendrons pas dans l'obscurité. Un vent nouveau souffle sur la planète. Vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Le malin, lui, s'accroche aux branches de son arbre. Il résiste et s'entête jusqu'à perdre son sens. On ne résiste pas au grand vent de la foi. On s'incline ou on meurt, messieurs les menteurs. Un vent nouveau souffle sur la surface. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Maintenant je suis bien, je respire et je vois, je ressens et je crois en l'espoir. Où la vie, le vent est toujours là. Jusqu'à quand? Je sais pas, c'est pas grave. On verra, il est là et j'y crois. Un vent nouveau souffle sur la planète. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Un vent nouveau souffle sur la planète. Le vent du renouveau, c'est le vent de l'espoir.